Bonjour à tous et bienvenue ici à Intermat. Nous sommes ensemble pour les deux heures qui arrivent et nous allons tâcher de vous montrer que le BTP a pris le virage de la décarbonation et qu'il travaille activement au développement de solutions. Nous parlerons notamment cet après-midi de digitalisation, un outil adopté sur les chantiers, désormais indispensable si on veut optimiser les travaux, mais pas seulement, vous verrez. Nous pencherons aussi sur l'économie circulaire qui fait son chemin de plus en plus dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics. Rétrofit, reconditionné, reuse s'impose comme une sorte de nouvelle manière de faire. Et puis nous parlerons bien sûr de nouvelles méthodes. Justement, nous verrons que petit à petit, le secteur est en train de se convertir aussi à l'économie d'usage et de fonctionnalité. Ce sera dans une petite demi-heure maintenant, sans oublier bien sûr nos arrêts ici sur les différents stands d'Intermat, à l'intérieur, à l'extérieur. Pour découvrir tout ce qui se passe, ce sera avec Solène Boulan, notre reporter, qui est à l'affût des toutes dernières innovations. Je vous propose tout de suite d'ouvrir le tout premier face-à-face qui concerne le BTP face aux défis de la sobriété. Pourquoi est-il un des tout premiers secteurs à devoir s'engager sur ce fameux chemin de la sobriété? Eh bien, probablement parce que les chiffres sont là. Le BTP représente à lui seul 40% des consommations d'énergie et 20% des émissions de gaz à effet de serre. Cela fait forcément du bâtiment et des travaux publics, un secteur stratégique dans la trajectoire de neutralité carbone pour 2050. Mais comment mener ces fameuses actions de sobriété? Par quoi passent-elles? L'énergie, mais aussi probablement les matériaux et leur durabilité. Comment valoriser les innovations et leur valeur ajoutée? C'est ce que nous allons essayer de voir avec nos invités. Justement, à mes côtés, Fred Dillon, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Tenstar. Thank you. Vous êtes spécialisé dans la simulation pour former les professionnels sur tout un tas de machines comme par exemple, mais pas seulement, les chariots élévateurs. À mes côtés également, Jean-Rémy Chasse, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Dynapac chez Faya Group, bien sûr. Votre cœur de métier, ce sont les innovations, justement, pour la pose d'enrobés, les équipements compacts. Si je résume, vous êtes, on va le dire comme ça, un expert des solutions durables pour la construction des routes, ça vous va? On peut dire ça, oui, tout à fait. On peut dire ça. Bon, quand on parle de sobriété du BTP, c'est quoi? C'est une addition d'actions, Jean-Rémy? Quelle est votre vision, par exemple, de la sobriété et comment votre groupe peut y apporter sa part? La sobriété dans le BTP, ça vient à la fois des machines, mais aussi des façons de faire et du matériel et de la matière. Dans le groupe Faya ou que ce soit Dynapac, nous apportons des solutions. Aussi bien l'utilisation, une meilleure utilisation déjà des machines, puisqu'on vit dans un monde où les ressources sont plus rares, où elles vont être de plus en plus rares, et donc des machines plus efficientes, mais aussi pour fabriquer par exemple les enrobés ou le béton. De toute façon, les solutions aujourd'hui qui nécessitent beaucoup de carbone nécessitent des solutions décarbonées, que ce soit avec l'hydrogène ou des systèmes sur batterie et autres. Donc dans ce champ-là, le groupe Faya est vraiment plutôt en avance et bien dans cette direction, dans cette voie. Freddy, on dit sobriété, vous m'avez dit sobriété ou sustainability. Nous, on fait plus ou moins le raccourci. Pour vous, il y a une nuance, manifestement. Oui, je crois. De notre point de vue, la durabilité, c'est ce que nous visons. C'est notre objectif, la durabilité. Du BTP, c'est quoi pour vous? C'est une addition, là aussi, comme on le disait avec Jean-Rémy, une addition d'actions qui viennent former finalement un tout? Oui. En fait, ce sont beaucoup de choses différentes dont il faut tenir compte. Et si, comme Dynapac, par exemple, nous, on offre une plateforme numérique et c'est notre espace de formation avec l'interaction homme-machine. Donc, on travaille beaucoup dans ce domaine-là.
Et en plus en détail ce que vous faites dans un instant. Jean-Rémy, la transition énergétique, c'est vrai qu'elle a eu pour effet dans le secteur du bâtiment et dans les groupes du BTP de faire en sorte qu'on s'équipe, et vous avez parlé effectivement de cette addition de choses, qu'on s'équipe de machines moins polluantes. Donc, aujourd'hui, on a sur les chantiers une sorte de double obligation, si j'ose dire, livrer un produit fini, une route, hein, pour prendre votre exemple, plus verte, mais aussi utiliser pour cela des outils qui vont être plus neutres. Tout à fait. Et c'est les deux faces d'une même pièce. C'est à la fois les matériaux utilisés doivent être fabriqués de façon plus verte, plus économe en ressources, et en même temps la mise en œuvre doit être elle aussi plus verte et plus économe en ressources. Et cela passe vraiment non seulement par les machines, mais aussi par, comme ce qui était dit, par la formation et par la maîtrise et une meilleure efficience des machines. Ça doit être neutre pour l'environnement. Ça ne l'est pas forcément, et j'imagine que vous ne me contredirez pas, pour les finances. D'où probablement cette nécessaire pédagogie autour de ce qu'on appelle les externalités positives, voire les bénéfices cachés finalement de ces nouveaux usages. Alors, oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire de faire voir quels sont derrière les avantages premiers d'une transition écologique, c'est-à-dire globalement moins d'utilisation des ressources, moins de carbone, mais aussi globalement quels sont les gains induits. Moins de bruit, moins de vibrations. Donc pour les personnes qui tournent autour, qui travaillent autour, ou même les riverains ou les citoyens, c'est quand même des choses extrêmement positives. Et nous, on se doit, avec nos clients, d'insister sur ces sujets-là, parce que si on se résume uniquement à la partie gain carbone, on ne verra les résultats que dans peut-être 50 ans, alors que les gains immédiats en termes de qualité de vie ou même de travail, ils sont immédiats. Ça veut dire qu'il faut le savoir-faire, mais aussi le faire savoir, hein, le fameux faire savoir. Vous avez des exemples sur lesquels vous commencez effectivement à communiquer sur ces fameux bénéfices cachés ? Et par exemple, on a des produits aujourd'hui, par exemple, qui permettent d'économiser en carburant. Donc c'est un gain immédiat pour le client, puisqu'on travaille sur l'efficience, et sur l'efficience non pas de la machine en tant que telle, mais aussi dans sa façon de fonctionner. Mais grâce à ça, en économisant en carburant, on peut aussi économiser en bruit pour l'opérateur, qui immédiatement a un environnement plus confortable et moins de vibrations pour l'opérateur, mais aussi sur le bruit rayonné et la vibration rayonnée. C'est un gain qui est peut-être pas valorisé aujourd'hui. C'est toutes ces pertes qui ne sont pas valorisées, mais qui doivent l'être à un moment ou à un autre. Et si elles ne sont pas valorisées par les grands donneurs d'ordre, ça doit être valorisé quelque part par les communautés et par les villes et les gouvernements. Freddy, c'est essentiel de communiquer justement sur ces effets, ces bénéfices cachés. Ces fameuses externalités positives dont on parle. So, I think, Je crois... Vous savez, lorsqu'on parle des opérateurs, par exemple, vous savez que pour les opérateurs, c'était difficile de les recruter, en fait. Et je crois que grâce à cela, on peut peut-être attirer les bonnes personnes pour travailler sur ces machines. On les forme. Et je crois que ça, c'est déjà un problème important qu'on arrive à éliminer. A eu aussi pour effet, j'imagine, de changer, et vous avez commencé à en parler, les méthodes de travail. Hein, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Quand on parle de bénéfices cachés, ben, c'est bon aussi pour... ça va être bon pour l'environnement, mais ça va être bon aussi pour les personnes qui sont sur les chantiers, qui sont en train de travailler. On réapprend presque un autre métier, ou un métier de manière un peu différente. Yeah, I would say so, definitely. Oui, définitivement, c'est clair que cela est vrai. Et les simulateurs, quel est le bénéfice concret pour une entreprise du BTP de former ses personnels sur vos machines avant de manier, par exemple, un tractopelle ou un chariot élévateur ? So the benefit for...
L'avantage, en fait, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et bien sûr, et il y a en plus le côté environnemental qui est un plus et la sécurité. Mais vous savez que l'argent est important. Donc, en fait, vous allez être plus efficace. Et de ce point de vue financier, c'est intéressant. Déjà, ce gain, quand il y a un changement et qu'on passe sur ces machines, ces simulateurs, que vous dit l'entreprise ? Sure, you can measure it. Sure. In what I'm actually doing. Vous savez, la rapidité de cela, en fait, ils vont être plus efficaces, plus rapides sur le moment. Et en fait, on arrive à également accélérer au niveau de la méthode, du process. Et donc, on arrive réellement à mesurer le progrès. Le progrès, ça fait changer les comportements. On arrive à faire des économies à tous les niveaux, finalement. Vous travaillez, je crois, déjà avec Tenstar. Quel est le retour sur investissement, si j'ose dire ? Le retour, il est multiple. Déjà, on permet d'attirer des jeunes vers nos machines, vers même le métier du TP, aussi bien pour nos clients. C'est-à-dire que globalement, avec quelque chose de moderne, des simulations modernes, on s'adresse à la génération Z plus facilement. Donc pour nous, c'est essentiel aussi en termes de promotion de nos machines. Mais en plus, ça permet, en dehors de la route, off-road, de simuler l'utilisation des équipements qui aujourd'hui coûtent malheureusement de plus en plus cher, avec des matériaux qui eux-mêmes coûtent de plus en plus cher, et de faire des économies quand on est obligé de former des gens sur la machine réelle, aller former en dehors du chantier. Donc on fait de l'éco-conduite par exemple, on va être moins énergivore, on va rationaliser, on va avoir aussi, une fois qu'on va être sur la machine, moins d'hésitation, et donc un meilleur emploi de la machine. On est finalement dans une sorte d'optimisation dans les deux sens. Exactement, et plus de qualité à la fin. En formant les salariés, ou les futurs salariés d'ailleurs autrement, on économise aussi la machine, j'imagine, elle-même, la durabilité de la machine. C'est aussi un des aspects auxquels on ne pense pas forcément en utilisant les simulateurs, mais c'est un véritable gain. Ah, c'est un gain. Alors sur la machine, oui, c'est un gain, mais surtout sur un chantier, il faut savoir que globalement, une personne ne travaille pas seule. Elle est environnée d'énormément de personnes. Et qu'une erreur sur un chantier a des impacts financiers énormes. Sur un système de simulation, les coûts sont beaucoup plus faibles. La personne est seule et elle peut simuler cet environnement. Et ça, c'est un gain énorme. Pour la machine aussi, effectivement, puisque les risques de casse sont diminués, il n'y en a pas. Et globalement, un peu comme pour l'aviation, je dirais. Aujourd'hui, beaucoup de pilotes sont formés sur des simulateurs. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça veut dire, Freddy, qu'aujourd'hui, on peut faire de la simulation avec quasiment toutes les machines. On va avoir un bénéfice derrière, forcément. Sure. Yeah, for sure. Oui, c'est sûr. Vous savez, lorsqu'on regarde le processus de pose, si vous voulez, d'enrobé, vous avez deux personnes qui travaillent en regardant les écrans, vous avez des personnes derrière, des personnes devant, tout cela. En fait, vous avez des machines, en réalité, qui fonctionnent avec des personnes devant, derrière. Mais nous, on peut simuler cela. On peut simuler cela. Et donc, pour la profession, pour la formation professionnelle, ils peuvent venir de cette simulation et aller directement ensuite travailler. Mais dans le passé, il n'y avait pas de formation formelle pour se poser, d'enrober, etc. Et nous, en fait, pour ce type d'emploi, la simulation est très utile. Ce type d'emploi, j'entends bien, mais on peut imaginer que demain on pourra le faire sur à peu près n'importe quelle machine dans le secteur du BTP. Ou est-ce qu'il y a des machines pour l'instant où c'est un peu compliqué de faire cette simulation? I would say sure, we can do. Je dirais qu'on peut faire à peu près
toutes les machines, les équipements, les véhicules, dans n'importe quel type d'environnement avec la simulation. En fait, c'est une question de savoir ce que vous voulez et on peut travailler quasiment dans n'importe quel cas. C'est le ciel qui est la limite. Ça. Moi, je voudrais savoir, quand est-ce que vous avez commencé à employer ces machines et comment ça se développe en interne ? On a commencé à développer des machines de ce type-là, on va dire électriques, ou à y penser, il y a à peu près 5 ans. Hein, mais c'est parce que globalement, le BTP est toujours un secteur qui arrive après la voiture, après les camions et après l'agriculture. Donc on est toujours un peu en décalé, puisque c'est vraiment un métier pour nous de machines de niche. Mais globalement, on bénéficie aussi de toutes ces avancées. Et le retour des salariés, le retour de ceux qui utilisent ces machines, quel est-il ? Alors, les utilisateurs sont en général ravis pour tous les avantages que j'ai déjà cités, c'est-à-dire le bruit, la vibration, l'environnement. On a eu des essais où globalement le chantier n'était pas forcément bien perçu, c'était en ville. Et le riverain, dès qu'il a appris des machines électriques, il a eu le sourire. Donc on voit qu'il n'y a pas uniquement, on ne s'adresse pas uniquement à une personne, mais à plusieurs. L'usage de ces nouvelles pratiques, on l'a dit, de ces nouvelles machines, elle a aussi effectivement tous ses effets cachés. Vous parlez du bruit et c'est vrai que c'est important parce que la pollution sonore, c'est véritablement aujourd'hui un des fléaux en ville. Aujourd'hui, est-ce que l'un comme l'autre, vous voyez une adhésion réelle du secteur à ces nouveaux modèles, à ces nouveaux outils? Est-ce que c'est quelque chose qui se démocratise réellement ou est-ce que c'est encore lent à prendre? Aujourd'hui, c'est pas le ciel qui est la limite, mais c'est la finance qui est la limite. Ah. Et à ce jour, les chantiers, et pour nos clients, c'est très difficile d'investir dans des matériels électriques en particulier ou sur batterie pour avoir des chantiers qui ne sont pas plus chers ou qui ne sont pas imposés. Donc effectivement, la limite aujourd'hui, c'est qu'il faut passer des mots aux actes. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Jean-Rémy? Vous avez le sentiment que ça se démocratise ou qu'il y a encore un petit travail à faire? Vous savez que l'argent est toujours un problème, hein, parce que cela coûte, bien sûr. Mais je pense qu'on a besoin des personnes dans l'industrie et il faut qu'ils travaillent dans des bonnes conditions. Il faut donc ouvrir les portes à cela, ne pas les effrayer avec ces nouveautés. Et je pense que ce qui est important, c'est de convaincre les personnes, parce qu'on a les personnes. Et donc, il ne faut pas essayer d'épargner. Pour que ça se généralise davantage, cet emploi des simulateurs, pour montrer effectivement les avantages aux entreprises du BTP qui ne l'utilisent pas encore ou trop peu. Yeah, so I think we have Alors, je pense qu'on a une responsabilité en tant que fournisseur pour leur montrer, de démontrer que c'est réaliste d'utiliser cela, que c'est un avantage pour l'utilisateur. Mais il faut en plus vraiment se préoccuper de l'environnement. Et je crois que cela est important pour l'avenir. Même question, comment on fait pour que ça se généralise? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que vous voyez des choses se dessiner? En interne, on a vu que vous aviez fait des pas. Comment on embarque finalement tout le reste du secteur? Je pense que déjà, il faut, de toute façon, c'est un impératif. Après, c'est une question de délai. Aujourd'hui, l'impulsion viendra effectivement des donneurs d'ordre, et en particulier de l'État et des villes, etc., qui finiront par considérer que l'environnement, la pollution, la planète, c'est aussi un enjeu financier, et que globalement, finalement, le surcoût d'utiliser du matériel plus efficient, voire sur batterie, finalement est mineur par rapport aux enjeux qui sont derrière. Est-ce qu'on a conscience aujourd'hui que ces innovations sont réellement des innovations vertueuses? Est-ce que le secteur en a bien pris conscience? Est-ce que
Les donneurs d'ordre en ont bien pris conscience aussi. Je pense que nos clients l'ont bien pris conscience. Ce sont les entreprises qui sont les premières à avoir des objectifs de réduction de CO2. C'est les premières. Mais globalement, elles sont aujourd'hui, tant que la réduction de CO2, autant que la réduction de carbone et de pollution est gratuite, voire fait des économies, tout le monde est pour. Une fois qu'il faut investir, on se met un peu en retrait. Je pense que les entreprises en ont conscience. Maintenant, il faut aussi que les gouvernants prennent leurs responsabilités. Vous êtes d'accord, Freddy ? Sure. Yeah. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un secteur stratégique, un secteur engagé, vous diriez quoi ? So we started with a construction. Nous, on a démarré dans ce secteur BTP. Et oui, je crois que ce secteur, il faut s'assurer qu'il soit engagé et il faut que tous les acteurs impliqués prennent cela sérieusement. Oui, c'est en plus, dans beaucoup de cas, plus efficace. C'est plus efficace en termes de coûts. Donc, ce n'est pas juste une question d'argent. Et cela peut vous aider à économiser également. C'est un avantage. Ça peut nous aider à économiser, aider le secteur à économiser, mais il faut d'abord investir. Donc, exactement. Il faut pousser le secteur à s'engager et à être précurseur. Mais tout à fait. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui bloque. On parlait de la simulation, c'est pareil. La simulation, c'est un nouveau système, ça nécessite de l'investissement, mais à la fin, tout le monde sera gagnant. On est vraiment entre, je vais répéter, mais la fin du mois et la fin du monde. On est vraiment, aujourd'hui, il y a des économies à faire immédiatement, mais globalement, il faut investir énormément. Et je pense que le secteur est prêt, mais bon, il manque une petite étincelle, une petite allumette pour que ça démarre. Alors, si je vous donne justement une baguette magique, vous feriez quoi pour le secteur pour que ça accélère ? Ah ben moi, je commencerai à travailler sur les villes, sur des ZFE, aussi bien sur le TP que pour les véhicules. Je sais bien que le TP n'est pas l'émetteur majeur de carbone, mais je pense qu'il aussi influe dans les esprits et dans chez tout le monde. Il y a beaucoup de travailleurs dans le TP, et si on arrivait aujourd'hui à nous forcer, les entreprises, nos clients, mais aussi à utiliser des énergies zéro carbone renouvelables, eh ben je pense qu'à terme, ça diffuserait beaucoup plus rapidement dans la société. Même question, si je vous donne la baguette magique, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous transformez? Qu'est-ce que vous changez là tout de suite pour que ça aille plus vite, Freddy Lund? Je ne sais pas si je crois dans la magie ou non, mais je pense qu'il faut continuer à travailler avec les fabricants, avec les développeurs, pour continuer à développer des solutions encore meilleures. C'est peut-être ça la magie. Magie quelque part, croyez-moi. Merci beaucoup à tous les deux, Freddy Lund, Jean-Rémy Chasse, d'avoir été avec nous pour ce débat sur la sobriété dans le BTP. On s'aperçoit qu'il y a encore, même si le mouvement est enclenché, il y a encore des choses à faire, mais que vous ouvrez la voie et que les choses sont plutôt bien lancées. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.